Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser la quête légendaire qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des arbalètes. Alors depuis aujourd'hui 15h, les arbalètes sont disponibles sur Fortnite. Donc vous pouvez voir que j'en ai trouvé une à Slurpee Swamp comme ça, posée dans un conteneur. Je ne l'ai pas trouvée dans un coffre, donc peut-être elles sont posées un peu partout comme ça dans la map. Après je pense que vous pouvez les avoir dans les colis, je pense que vous avez plus de chances d'en avoir dans les colis. Dans les lamas, je ne suis pas trop sûr que vous pouvez en avoir, mais dans les coffres, ben vous pouvez en avoir. Alors j'ai essayé d'infliger des dégâts à un personnage de la map, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faudrait que je le lance en duel pour que ça fonctionne, mais en tous les cas là j'ai essayé de lui tirer dessus sans lui parler, sans rien faire, pour qu'il m'attaque, et en fait ça n'a pas fonctionné. Après j'ai infligé des dégâts à des adversaires, là ça a fonctionné. Alors quand vous mettez quelqu'un en PLS, n'hésitez pas à le finir avec votre arbalète, comme ça vous augmentez vos dégâts. Alors il faut savoir aussi que ce défi est un défi à étapes. La première étape est d'infliger 1000 de dégâts à un adversaire pour débloquer 55 000 XP. Ensuite les autres étapes c'est 22 000 XP et les autres paliers des étapes c'est 2000, 3000, 4000 puis 5000 dégâts infligés avec des arbalètes à des adversaires. Donc quand vous aurez infligé 5000 de dégâts aux adversaires, ben vous débloquerez plus ou moins 150 000 XP. Alors moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, parce que 5000 dégâts à des adversaires c'est quand même extrêmement long et sûrement très difficile. Donc moi ce que je vous conseille c'est de créer des parties que avec des bots. Donc si vous ne savez pas comment créer des parties Fortnite que avec des bots, je mettrai en description et en commentaire un lien qui vous dirigera vers une vidéo tuto pour justement créer des lobby bots. Et ne vous tracassez pas, c'est totalement légit et ce n'est pas un glitch, donc vous ne risquez rien et vous pourrez réaliser tous vos défis tranquillement sans être dérangé et très facilement. Alors j'ai essayé d'infliger aussi des dégâts contre un requin, par contre ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment dommage parce que le requin a beaucoup de vie, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai infligé énormément de dégâts au requin, j'ai même quitté la partie pour voir si ça avait validé dans mes statistiques, mais ça n'a pas validé. C'est vraiment que contre les joueurs adverses. Alors je n'ai pas essayé contre les gardes IO, mais peut-être que ça peut fonctionner contre les gardes, parce que c'est quand même des adversaires. Après un requin c'est un adversaire aussi, donc voilà, je sais pas, peut-être que ça fonctionnera pas, mais peut-être que ça fonctionnera. Si quelqu'un essaye, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, ça pourra informer la communauté. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace. I'm Nick, bruh.